Radioscopie. Radioscopie. Simone Signoret. Jacques Chancel. Simone Signoret, j'ai été frappé, mais pas du tout étonné par cette phrase. Vous dites, je n'ai peur ni de mon âge, ni de mes rôles. Alors, est-ce que c'est de la sagesse? Je pense que c'est de la sagesse alliée à une façon de m'arranger avec moi-même, sans hypocrisie, de prendre les choses comme elles sont. C'est un bel optimisme, mais c'est la vie. C'est la vie, je pourrais être mieux conservé, comme on dit, si je faisais plus attention. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça me mènerait à jouer des choses aussi intéressantes que celles qu'on m'offre. Et en tout cas, c'est avec ça que je m'arrange avec moi-même et ma conscience. Ce qui est important, c'est d'être en règle avec soi-même. Ah ben ça, c'est la chose la plus importante au monde, oui. Mais parfois, vous avez des phrases que d'autres hésiteraient à prononcer. Il y a encore cette autre phrase, où elle m'amuse. N'oubliez pas, dites-vous, que je suis une bonne femme qui a eu 19 ans en 40 et 23 ans en 44. Alors si on s'en tient à cette phrase, on peut dire Simone Signoret assume son âge. Mais si on va un peu plus loin, 19 ans en 40 et 23 ans en 44, non, ça fait surtout l'occupation. C'est une jeunesse vécue sous l'occupation. Ah mais ça, je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de gens de ma génération qui n'admettront pas que ces 4 ans-là qui ont paru durer 20 ans ont été le ferment de tout ce qu'on a pu devenir par la suite. Enfin, en bien ou en mal, il y a ceux qui n'ont pas été bien et qui l'ont peut-être oublié et qui s'en sont peut-être très bien retrouvés avec eux-mêmes, mais ça c'est leur problème à eux. Ceux qui ont été extraordinaires et qui en sont quelquefois morts ou héroïques et qui ont survécu, ce qui n'est pas mon cas car je n'ai jamais été héroïque. Et puis ceux qui ont subi ces 4 ans, cette nuit de 4 ans, difficile, cruelle et quelquefois merveilleuse parce que ça a été une période où toutes les choses étaient tellement simples, tellement manichéennes, pour employer des mots savants. Enfin, c'était blanc ou noir, c'était rouge ou bleu, il y avait des gens bien et des gens mal. Alors c'est vraiment l'époque où les gens se sont ou le plus aimés, le plus entraidés, le plus partagés, ou alors ont été affreux les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est, je pense que dans la formation d'une adolescente et d'une jeune femme, c'est des marques qui sont complètement indélébiles. Enfin, ces années d'occupation étaient terrifiantes, mais elles étaient également et enrichissantes et instructives. Ah, moi, c'est affreusement horrible de dire ça, mais finalement, avec le recul du temps, et parce que j'ai survécu, je regrette pas du tout d'être passé par là. Il faut que je vous dise tout de suite, avant qu'on commence à parler sérieusement, qu'il faudra m'arrêter, parce que j'ai une tendance souvent à partir dans de longues explications. Là, je fais un effort, je suis très impressionné, alors j'essaie de faire des phrases comme ça, bien logiques, mais j'ai une tendance à bifurquer, vous voyez, à partir sur une idée, puis à enclencher sur une autre, et souvent, personne n'y comprend plus rien. Alors, vous m'arrêterez si je... Non, mais je crois que c'est justement le charme d'une conversation. Oui, mais pour qui écoute de loin, et les hésitations qui m'arrivent dans mon discours, quelquefois, c'est un petit peu difficile à suivre. Alors, Simone Signoret, si vous n'aviez pas eu 19 ans en 40 et 23 ans en 44, est-ce que vous auriez fait la même carrière? C'est-à-dire si vous aviez eu votre adolescence dans une période moins troublée? Ah, je ne crois pas du tout. Je crois que... Bon, né à Neuilly-sur-Seine et allant au lycée et destiné à, des études ou à un mariage bourgeois, je serais peut-être aujourd'hui dans la peau d'une dame pas jeune qui se dit « Ah là là, qu'est-ce que j'aurais bien voulu jouer la comédie ?» Et je serais peut-être une dame très amère et très triste. Là, les circonstances ont fait que j'ai été complètement libre de mes choix, enfin libre, c'est beaucoup dire, mais que j'ai été investie de telles responsabilités familiales qu'il a fallu que je trouve du travail tout de suite. Et je n'ai pas peur de dire d'ailleurs que j'en ai trouvé dans un journal collaborateur qui s'appelait Les Nouveaux Temps, dans lequel j'étais grouillotte, dirons-nous. Enfin, j'étais la grouillotte de la secrétaire du directeur qui était Jean Luchaire et qui a été fusillé d'ailleurs en 1944.
je vais peut-être paraître monstrueuse, je ne dis pas ça sans tristesse, parce que Lucher s'est très très bien comporté avec moi, parce que c'était le père d'une camarade de classe à moi qui était Corinne Lucher. Il s'est très bien comporté avec moi et il méritait sûrement son châtiment, mais... Enfin, il y en a d'autres qui ont été aussi mal que lui et qui n'ont pas été fusillés. Et je tiens toujours à rappeler ça parce que je ne voudrais surtout pas qu'on croie que c'est une chose de mon passé que j'ai fait. Je suis restée 8 mois dans cet endroit où j'ai vraiment côtoyé les pires gens qu'on pouvait côtoyer à l'époque. Il fallait que j'aie été très très bien élevée. Vous vous rendiez compte qu'ils étaient moches à ce moment-là ? Je m'en suis très vite rendu compte, surtout grâce à des gens que j'ai rencontrés qui me l'ont prouvé. Ils étaient tous très gentils avec moi. Alors, j'avais pas de raison d'être tellement objective par rapport au fait qu'ils étaient moches. Enfin, ils étaient moches, ça, il n'y a pas de question. Mais avec moi, ils étaient très gentils. Cette carrière de comédienne, vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, c'est ce que vous vouliez faire ? Dans le fond, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Mais moi, j'ai toujours pensé que tout le monde voulait être acteur. Je suis encore surprise aujourd'hui. Pour se dédoubler ? Ah, pour se dédoubler sans savoir qu'on se dédoublera. Ouais. Ça, on découvre après, ça. Mais je suis encore sûr. Vous vouliez pas être acteur, vous ? Non, je n'y ai pas jamais. Pensé, non. Ah ben, moi, je suis toujours très épatée quand je rencontre des gens qui disent qu'ils n'ont jamais voulu être acteur. J'y crois d'ailleurs qu'à moitié. J'ai tort, parce que quand j'étais petite et quand j'étais jeune, je pensais qu'on est avec l'envie d'être acteur, comme on a envie d'être beau, d'être aimé, d'avoir une bonne vie. Et nécessairement, on a aussi envie d'être acteur. Et puis on ne le devient pas, parce que c'est comme ça à la vie. Et je pense que... Enfin, j'ai jamais chez moi dit à la lasse que je voudrais jouer la comédie. J'allais au cinéma, je regardais Daniel Darieux, je rentrais chez moi, je me regardais dans la glace et je me mettais la bouche comme ça, je disais c'est moi. J'allais au cinéma, je voyais Simone Simon et je refaisais devant ma glace ce que je lui avais vu faire dans l'après-midi, car j'allais surtout au cinéma l'après-midi, le jeudi, à l'Ermitage. Où le monsieur nous attendait, parce qu'on prenait des fauteuils à 7 francs, et puis on s'installait dans les fauteuils club, et à l'entracte, il nous virait, il nous remettait au fauteuil à 7 francs. Il est toujours là, ce monsieur. Enfin, il était encore là il y a 2 ans. Vous voyez, je m'égare. Alors, faut me raccrocher. Si vous avez parlé de Daniel Darieux, de Simone Simon. Bon, et je pensais que toutes les filles, normalement, avaient envie de jouer. Mais j'osais pas le dire. C'est pas des choses qu'on dit. Et finalement, il a fallu cette horrible force des choses pour que, libérée, non seulement libérée, mais même pratiquement chassée de mon centre de l'enfance qui était Neuilly-sur-Seine, chassée parce que mon père était juif et était à Londres, ma mère n'était pas juive et elle n'est toujours pas d'ailleurs, je dis mon père était parce qu'il est mort, mais la vie a changé complètement. Et là, parce que j'ai traversé la Seine et que je me suis retrouvée, il faut bien le dire, au Café de Flore, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais qui était une espèce de refuge. Je parle de l'hiver 40-41, là, quand je suis arrivée là. Un refuge de gens, tous en situation plus ou moins régulière par rapport aux Allemands, mais qui était un milieu que j'avais jamais approché, en fait, de gens qui écrivaient, de gens qui jouaient, de gens qui écrivaient sans être publiés, qui jouaient, qui étaient acteurs sans jouer, qui étaient peintres sans être exposés, mais qui en parlaient. Comme j'ai compris que c'était ça mon monde et que maintenant je pouvais le dire. J'ai plongé. Enfin, Simone Signoret, il y a eu cette période, et puis il y a maintenant son 30 années qui ont passé. Vous êtes devenue une vedette internationale, et il faut bien dire que les Français devenus internationaux sont quand même assez rares. Alors, est-ce que vous avez eu de la chance, ou est-ce que cette promotion était amplement méritée ? Ah, ça, c'est pas à moi de dire si elle était méritée. Oui, mais on ressent les choses. J'ai eu de la chance, sûrement. Puis en mûrissant, je crois que j'ai compris beaucoup plus profondément ce qu'était ce métier. Je veux dire, un être jeune, beau, qui a envie de faire l'acteur, comme on dit, ne sait pas nécessairement ce que ça comportera. Il veut quoi ? Il veut réussir, il veut avoir sa photo dans le journal, il veut gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent, c'est vrai. C'est après que les vrais motifs, les vrais
la vraie vie de l'acteur se comprend, mais très tard. Finalement, si je repense à ce que j'ai fait en premier, moi j'ai commencé en faisant de la figuration, alors... Bon, alors vous voyez, je suis encore... Non, mais il fut un temps où, vous le disiez à l'instant, où vous regardiez Daniel Darieux, Simone Simon, et vous preniez même leurs attitudes. Mais est-ce que vous pouviez prévoir à ce moment-là que vous devriez intriguer Simone Signoret? Pas du tout. Vous en rêviez, quand même, de devenir quelqu'un. Oui, tout le monde rêve de devenir quelqu'un. Quelqu'un d'autre ou de devenir vous-même? Ah, alors c'est ça qu'il faudrait savoir. Probablement, je rêvais de devenir quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas que c'était ça, en réalité. Vous-même. Parce que vous avez parlé du dédoublement. On a envie de jouer, quoi. On a envie de se déguiser. On a envie, mis à part l'envie de la réussite, qui existe, il n'y a pas de doute, ce serait tout à fait hypocrite de nier ça. Après, ça change, mais au départ, c'est ça. En tout cas, pour les gens de ma génération. Maintenant, c'est très différent chez les jeunes acteurs. Je vais... Si mon mari m'écoute, il sera content parce que c'est lui qui me racontait ça à midi. Il est très frappé par la... Et surtout, il faut bien le dire, depuis 68, le fait que de très jeunes acteurs dans des troupes actuellement, finalement, ont un beaucoup plus grand détachement de ce qu'on appelle la réussite. C'est vrai, moi j'étais hier soir... Le star system. Oui, ah ben, non seulement le star system, mais même d'être... fondu dans un bloc, enfin dans une compagnie, et de faire bien son boulot pour la communauté. Alors je le cite, parce que comme c'est lui qui disait ça à midi, je ne veux pas avoir l'air de lui prendre ses trucs. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui pour ça. Autrefois, c'est vrai, je crois, de notre temps, comme on dit, quand on commence à plus être tout jeune. Oui, mais pourquoi vous le dites de mon temps, ça? Ah, parce que les temps ne sont plus les mêmes. Je vois chez certains jeunes acteurs des ambitions qui sont beaucoup plus nobles que celles qui étaient les nôtres, enfin en tout cas... ceux de ma génération quand on a commencé. Alors, pour en revenir au dédoublement, c'est bien après qu'on s'aperçoit qu'on se dédouble. Et on se dédouble, on le sent à des signes. C'est pas un dédoublement prémédité du tout. Ça vous arrive. Et on les sent par des signes très mystérieux. On est confronté soi-même tout d'un coup avec des choses très étranges. Enfin, on se prend tellement pour l'autre que pendant le temps du film, par exemple... On fait des choses que l'autre ferait, même en dehors des heures de travail. Et c'est ça le dédoublement. C'est plus savoir. Mais si on le recherche, ce dédoublement, si on le recherche, c'est pas l'étude qui vous l'apprend, c'est pas l'effort ni la lecture des ouvrages sur le dédoublement qui vous l'apprend. Ça vous arrive. Il y a deux dates, on va prendre deux dates. 1952, c'est Casque d'or. 1973, c'est Rude journée pour la reine, c'est le film de René Alliot. Oui. Ce film-là que j'ai vu, qui est un film important. Ben, je suis bien content. Est-ce que vous l'auriez accepté il y a 20 ans? Mais j'aurais pas. On jouait le rôle d'une femme de ménage. On m'aurait pas proposé. Ah non, on m'aurait pas proposé. On m'aurait pas proposé. Jeanne. Parce que Jeanne. Elle ne peut être ce qu'elle est que parce qu'elle a mon âge. Hein? Vous jouez là le rôle d'une femme de ménage. Parfait, vous en avez les angoisses, les inquiétudes, et vous en avez la vie. Mais vous, dans la vie, dans votre vie, Simone Signoret, vous avez une femme de ménage. Vous côtoyez tous les jours des femmes de ménage. Alors comment réagissez-vous, vous qui avez été, qui êtes une femme de ménage, aller au cinéma, en face de femmes de ménage qui le sont, elles, véritablement dans la vie? Les rapports de Jeanne, c'est-à-dire la dame que je joue, avec ses patrons, sont des rapports pratiquement inexistants. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vrai échange. Elle vient, elle fait le ménage, elle va ailleurs, elle fait ses carreaux, elle rentre. Donc, moi, j'ai des rapports avec la dame qui travaille chez moi, parce qu'elle travaille chez moi depuis 11 ans. J'espère que son aliénation n'est pas... celle de Jeanne. Enfin, je sais qu'elle n'est pas celle de Jeanne parce que je la connais. Elle n'a pas ces aliénations-là, ni ces fantasmes-là. Mais c'est très difficile de raconter ça devant un micro à des gens qui n'ont pas vu le film. Oui, mais c'est un milieu social qui est dépeint, c'est un milieu social qui vous occupe, qui vous hante. C'est... Politiquement, qui vous engagez. Ah, je vous vois venir. Qui me hante, il ne faut pas exagérer. Disons qui vous préoccupe. Qui m'intéresse. Mais tous les milieux m'intéressent, moi. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut être acteur si tous les milieux ne vous intéressent pas. Et c'est pour ça que je cite la dame qui irait prendre le thé tous les jours chez Rumpelmeyer et qui aurait des aventures tardives avec un petit jeune homme
ça pourrait être aussi fascinant à jouer. Je veux dire, seulement évidemment, je serais peut-être moins enrichie. Maintenant, puisque vous avez prononcé le mot de politique, en ce qui me concerne, je crois qu'il serait plus juste d'employer le mot social. Social, oui. Et même, j'irais même, quitte à me faire beaucoup de temps, employer le mot sentimentalisme. Car finalement, enfin, toutes les positions que je dis on là, parce que je parle pour nous deux, qu'on a pu prendre, mon temps et moi, ont toujours été des coups du cœur, enfin, puisqu'il n'y avait aucune espèce d'obédience à quoi que ce soit, sauf à des coups au cœur qu'on avait, qui étaient présentés avec plus ou moins d'honnêteté, pour nous, les choses étaient présentées avec plus ou moins d'honnêteté pour provoquer chez nous les coups au cœur, ça c'est à voir, mais ça fait rien, puisqu'on a eu les coups au cœur, c'est ça qui est important. Vous dites mon temps, il dit Simone, est-ce que... Oh, écoutez, c'est très simple. C'est une explication beaucoup plus terre à terre. Avant de rencontrer mon temps et de m'enfuir avec lui, j'étais mariée à un homme qui s'appelait Yves Allégret. Et ce Yves, c'était un peu difficile pour moi au début. Alors j'ai pris l'habitude de dire mon temps et Catherine dit mon temps et les copains disent mon temps. C'est ça la vraie raison. Simone Signoret, comment êtes-vous par rapport aux autres femmes qui ont votre âge? Car vous savez qu'il y en a. Il y en a qui sont terriblement malheureuses dès lors qu'apparaît la première ride. Oui. Vous, au contraire, vous la provoqueriez, cette première ride. Oh, faut pas exagérer. Vous savez, c'est mon numéro. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente. J'ai grossi et ça m'est complètement égal. C'est des choses qu'on dit comme ça. Je m'en arrange. Bon. Alors, je m'en arrange et je prends le meilleur de ce que je peux en tirer, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que ça doit être tragique pour certaines femmes qui n'ont que ça, enfin, et qui ne peuvent pas s'en servir. Je veux dire qu'une femme qui arrive à mon âge et qui n'a pas cette soupape fantastique de défoulement et de joie qui est de jouer la comédie, ou de faire un métier qui la passionne, un autre métier qui la passionne, il y a sûrement des moments où ça doit être très dur. Ce qui est important, c'est de vieillir avec les autres. Ah, vous voulez dire de vieillir avec les gens qu'on aime? Oui. Ah ben ça, c'est primordial. Non, parfois, on dit un tel ou une telle n'a pas changé. On finit par croire qu'il n'a pas qu'elle n'a pas d'expérience. Je sais pas, il y a des gens qui se disciplinent beaucoup et qui ne changent pas physiquement, mais avec de gros efforts. Enfin, Montaigne est un homme qui fait des gros efforts que je respecte beaucoup. C'est la discipline du musical, ça, de s'entretenir le corps et d'être ça, c'est ça. S'il n'était pas issu du musical, je ne sais pas s'il le ferait. Il y a aussi des gens qui ne changent pas du tout, mais c'est un peu suspect. On se demande et on cherche un peu les cicatrices, comme ça, qui sont toujours des accidents d'auto qui vous font des cicatrices absolument symétriques au front et derrière l'oreille. Vous n'êtes pas pour la chirurgie esthétique? Non, je ne me permets pas de juger les gens qui passent. Moi, je ne le ferai pas parce que j'aurais l'impression d'une tricherie abominable vis-à-vis de moi-même. Et je pense que si j'y allais, je passerais ma vie à dire à tout le monde que j'y étais. J'aurais tellement envie de ne pas tromper mon monde que ce serait une vraie catastrophe, je ne parlerai que de ça. Je crois que quand on sort de cette expérience, qui n'empêche pas le cœur et la pensée de vieillir aussi, et tout en conservant une image glacée de la jeunesse, je pense pas que ce soit bon pour l'intérieur. Mais je sais pas, hein, moi, je personne. Simone Signoret, si demain on vous disait plus de films, est-ce que ce serait désespérant? Ou au contraire, est-ce que vous en arrangeriez? Ah, je ne peux pas préjuger de ce que je dirais. Je peux aujourd'hui dire en toute sérénité que je ne serais absolument pas frustré parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce métier. Je peux déclarer ça aujourd'hui très sereinement. Et puis, si dans 2 ans, j'étais malheureuse, je pourrais peut-être sangloter et dire « Ah là là, qu'est-ce que je voudrais jouer ?» Je réponds à chaud dans une période où je travaille et où je suis heureuse de travailler et heureuse de la vie et heureuse des gens que j'aime et que je n'ai pas perdu, sauf 2 qui sont morts. Alors,
Je réponds là avec la sérénité des gens qui vont bien. Pas de contrainte, pas de compromission. Mais contrainte et compromission, c'est pas la même chose, de toute façon. Oui, mais ce sont deux choses, quand même. Bon, contrainte, non, aucune. Compromission, non, mais vous savez, j'ai pas besoin. Je veux dire que... À votre stade. J'ai pas besoin à mon stade. J'ai pas besoin parce que... Et il y a très longtemps que j'ai pas besoin, parce que... vivre à deux, c'est pas comme être tout seul. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu à faire un film parce qu'il fallait payer quelque chose. Et j'ai toujours été, et c'est mon ami Prévert, notre ami Prévert, qui m'a appris cette formule un jour. Il répondait très drôlement à un télégramme qui demandait êtes-vous libre pour faire adaptation, film, machin. Il a répondu je suis parfaitement libre, ne pas faire adaptation. Et quand on me demande si je suis libre, je réponds je suis libre de ne pas faire. Mais ça, c'est un très grand luxe. Et c'est un luxe que je n'ai pu me payer que parce que, sur le plan matériel, je n'ai absolument pas eu les obligations qu'ont eu certaines autres filles qui font mon métier et qui ont un gosse à élever toute seule ou qui ont des problèmes matériels. Depuis que vous êtes comédienne, vous avez connu le succès. Il n'y a pas eu de temps mort. Il y a eu des trous. Des trous, parfois... Un petit échec, enfin une mauvaise critique. Il y a eu des moments où j'ai pas travaillé parce que je préférais me balader en tournée avec mon temps, avec le car et les musiciens et les fous rires que ça comportait plutôt que de faire un film médiocre. Ce qui a fait dire aux gens qui comprennent jamais rien que je sacrifiais quelque chose. J'ai jamais rien sacrifié. Les bons films, quand ils passaient, je les ai faits. Mais comme on peut pas en faire quatre par an, j'en ai fait finalement très peu. Et pendant la période où mon temps chantait, j'ai très peu travaillé. Votre carrière, si on la considère bien, aura été menée avec beaucoup de rigueur. Elle n'a pas été menée. Elle a été conduite, alors? Non, parce que rien n'a été prémédité. Elle a été un peu toute seule. Elle a été menée, si vous voulez, dans les refus. Mais elle n'a pas été menée pour les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que je n'ai jamais provoqué les choses. Quand j'ai voulu les provoquer, ça a raté, ça a foiré, généralement. Les meilleures choses que j'ai faites ont toujours été des choses qui me sont tombées du ciel, offertes par des gens que je connaissais pas, qui n'étaient pas des copains, qui me disaient « Viens, on va faire un film ensemble ». C'est des gens qui sont devenus des copains après et à travers le travail. Mais ça n'a jamais été des choses que j'ai provoquées. Et par exemple... ce petit film anglais que j'ai fait qui s'appelle Room at the Top, qui s'appelait Les chemins de la haute ville en français. Vous avez eu un Oscar pour ce film. Qui m'a valu plein de récompenses, dont l'Oscar, est un film qui m'est venu d'étrangers d'anglais, et en plus des étrangers à ma vie, que j'ai fait parce que j'ai adoré l'histoire, que j'ai eu une joie formidable à la tournée, que j'ai pensé que mes copains aimeraient bien, que j'aurais pas à rougir, que c'était un bon petit film. Justement, ce bon petit film a fait une carrière fantastique. Justement, Simone Signoret, Les chemins de la haute ville, je crois que vous l'avez joué en anglais directement. Ah oui, 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 oui. De la même manière que lorsqu'au théâtre, vous êtes allé à Londres pour visiter Shakespeare, oui, ça, c'était vous avez été Lady Macbeth. Ça a été la grande folie. Ça a été une souffrance terrible et une joie fantastique. C'est un mélange... il m'arrive de me réveiller le matin et de me dire « Ah là là, chouette, je vais pas jouer Macbeth ce soir », tellement j'ai eu peur et tellement j'ai fait une chose qui m'a enrichi d'ailleurs, parce que tout vous enrichit, y compris les échecs. Mais maintenant, avec le recul du temps, je me dis que si je voyais annoncer, par exemple, que Madame Edith Evans viendrait à Paris pour jouer... Chimène, eh ben je me dirais quelle drôle d'idée elle a. Hein. C'était fou. Quelle drôle d'idée ils ont. C'était fou. Simone Signoret, quel sens précis vouliez-vous donner à votre vie? Et d'abord, est-ce que vous avez donné un sens à votre vie? Ah, écoutez, je ne voulais donner à ma vie aucun sens. J'ai vécu ma vie. Je n'ai rien prémédité. Les choses... Je suis incapable de vous répondre à cette question. Enfin, tel que vous êtes aujourd'hui... Vous êtes heureuse. Ah, moi, je recommence tout. Toutes les étapes étaient bonnes. Rien à jeter. Non. Rien à jeter, même pas... Même pas Lady Macbeth. Surtout pas. Non, même pas Lady Macbeth. Et même pas les 4 ans d'occupation. Mais ça, j'ai peut-être beaucoup de chance. Hein. C'est en bois, ça. Oui. C'est du bois. C'est du bois, oui.
rien acheté, même les erreurs. La chance, on la mérite parfois, on la veut, on la travaille, on la peaufine. Ah non, on la travaille pas. Non, non, on la travaille pas. On peut parler de travail. Je vais revenir à mon temps, c'est pas pour faire une émission conjugale, mais on peut parler de travail quand on est. Ça, il explique beaucoup mieux que moi, puis c'est pas moi qui chante dans la famille, donc. Mais enfin, je sais ce dont je parle. Quand on est très doué comme il l'est, mais on peut être très doué pour le musical, mais il faut aussi du travail, il n'y a pas de question. Au risque de dire des choses qui vont déplaire, je ne pense pas que le métier d'acteur comporte ce qui s'appelle du travail. Ça devient du travail, parce que c'est du travail de se lever très tôt, c'est du travail d'être à l'heure, c'est du travail de ne pas perdre ses accessoires, de ne pas oublier ses raccords. Il y a quand même du talent et du savoir-faire. Il y a un don, ça. Il y a un don qui est la présence, qui est la possibilité mystérieuse de se dédoubler, c'est vrai. Et puis il y a la vie, surtout. Il y a la vie qui fait que si vous ne la vivez pas vraiment dans vos périodes où vous n'êtes pas un personnage, mais où vous êtes vous-même, eh bien vous passez à côté de tout. Or, comme c'est tout ce que vous apporte la vie, c'est-à-dire les chagrins, les joies, l'amour, les colères, la jalousie, les grands bonheurs, les grandes énormes parties de rire, qui sont très très importantes, c'est là que vous puisez ce que vous restituerez un jour ou l'autre dans un personnage. Sinon, si vous sautez de Madame Machin à Madame Machin, vous vivez votre vie en étant des Madame Machin, mais jamais en étant vous-même. Alors vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas les longs déjeuners qui durent jusqu'à 4 heures de l'après-midi où vous pouvez écouter aux tables à côté ce qui se dit et rire au besoin si on dit des choses qui vous font bondir sur votre chaise, et c'est très important. C'est en ça que l'humour doit s'exercer. Hein. L'humour doit s'exercer contre des gens méchants. Il ne doit pas s'exercer. Vous êtes méchante, vous ? Je ne me crois pas méchante. Vous n'êtes pas tendre, non plus. Je ne suis pas tendre pour les gens que je méprise ou qui font des choses mal, c'est vrai. Ou que je considère comme des choses mal. Vous êtes capable de mépriser ? Oui, oui. On peut aller jusque-là. Est-ce que c'est nécessaire, le mépris ? Ah, je ne sais pas. Je suis capable de mépriser, oui. Pas énormément, énormément de gens, mais il y a des choses que je suis capable de mépriser. Il y a des actes que je méprise. Et des actes que j'admire formidablement et pendant toute ma vie, enfin. Je me rappelle quelque chose que les gens ont fait de très bien il y a 20 ans. Ou quelque chose qu'ils ont fait de très mal il y a 20 ans. Enfin, être acteur, c'est un métier comme les autres. Vous, Simone Signoret, vous êtes comédienne, comme d'autres sont coiffeuses ou... Pas du tout, c'est pas un métier comme les autres. Ou couturière. Non, c'est pas un métier comme les autres, parce qu'à partir du moment et pendant le temps qu'on l'exerce, c'est-à-dire, prenons le cinéma... On n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même, on devient absolument indifférent à tout ce qui vous touche... le plus près de pendant votre vraie vie, c'est-à-dire qu'on se rassure, on téléphone, on dit il n'y a pas le feu, bon très bien, la môme n'est pas malade, parfait, ça va bien, tu t'amuses, parfait, et hop, on retourne vite aux siens et les siens. La famille, pendant qu'on fait le film, c'est les autres, c'est ceux du film, et ça va du type qui fait le clap jusqu'au metteur en scène. Je veux dire, c'est cette vie. Cette histoire d'amour qui dure deux mois et demi, quelquefois trois, qui vous bouffe complètement, qui vous rend monstrueux par rapport aux gens qui vous aiment le mieux et que vous aimez le mieux, parce que dans le moment-là, c'est pas eux que vous aimez. Alors quand le film est fini et que vous avez votre petite période un peu triste... Vous redevenez normal. Pas tout de suite, ça prend comme ça, suivant le... Enfin, pour Jeanne, du film d'Aliot, j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'elle sorte de moi, ou à me sortir d'elle, à désquamer. Enfin, beaucoup de mal. Simone Signoret, si tout cela n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait ? Eh ben, je me le demandais à midi, voyez-vous. Parce que je savais que j'allais venir et je me tracassais beaucoup sur moi-même. Je serais peut-être aujourd'hui une dame comme ça, qui se dit ça va arriver, ça va marcher. J'attendrai peut-être comme ça. Vous attendriez encore le rôle ? J'en sais rien. Ou alors, j'aurais pris le taureau par les cornes et j'aurais peut-être dit, bon, je fais autre chose. Mais qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui ? Enfin, dans votre vie, il y avait un choix à faire. La vie d'abord, la carrière ensuite, la carrière d'abord, la vie ensuite. Ah non, ça, j'ai choisi la vie. Hein. La vie. J'ai choisi la vie et j'ai eu... Alors, c'est peut-être là que la chance est intervenue, formidablement. J'ai choisi la vie et je n'ai pas
J'ai essayé de faire les deux, quoi, pour être tout à fait honnête et pas hypocrite. Il y a eu un moment où j'avais décidé de plus jouer. Après Casque d'or, j'ai arrêté pendant 18 mois de travailler. Je crois que j'aurais fait une grosse, grosse gaffe. Parce que... Bon, aujourd'hui, je serais probablement amère et triste. Et j'agacerais sûrement beaucoup mon mari. Vous l'auriez gardé ? Je ne crois pas. Parce qu'à un certain moment, vous avez voulu abandonner pour Yves Montand. Oui. Est-ce qu'il vous l'aurait pardonné ? Ah, ou est-ce que vous lui auriez pardonné ? Je crois que c'est à lui que je ne l'aurais pas pardonné. Je serais devenue absolument abominable, probablement. Je l'avais fait vraiment. Puis il y a une petite scénette un jour à la maison, que nous sommes babioles, j'avais dû laisser traîner quelque chose ou faire quelque chose de mal. Et il a eu une parole malheureuse, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Fais quelque chose, fais quelque chose. » Et j'ai dit « Ben, je suis là, avec toi. » Il m'a dit et j'ai ajouté « Mais tu sais très bien que je pourrais être en train de travailler. » Et là, il m'a dit « Mais ah, pour travailler, il faut qu'on vous demande. » C'est dur. Et j'ai dit mais tu sais très bien que je pouvais faire le film de Garnet. Il m'a dit oh mais pff, il y a tellement longtemps ils ont sûrement pris quelqu'un d'autre. Et je crois que ma vie s'est jouée sur un coup de poker et en tremblant j'ai été au téléphone et j'ai dit on va bien voir et j'ai décroché. J'ai mis un temps fou à trouver le numéro dans le carnet du téléphone. J'ai mis un temps fou à composer le numéro des frères Hakim. J'ai mis en me disant raccroche, tu vas avoir le plus beau camouflé de ta vie. Et puis je les ai appelés, j'ai dit mais je veux bien le faire le film. Ah ben j'ai dit très bien, on va le faire. J'ai raccroché, j'ai dit tu vois, je vais travailler. Et j'ai très bien fait. Simone Signoret, il est rare que l'on rencontre dans le spectacle un homme et une femme, un couple, qui soient tous les deux des vedettes internationales. Alors est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie chez l'un et chez l'autre, à certains moments? Ah non. Vous vous réjouissez des succès? Ah non, je crois que... L'un je, de l'autre. Je crois... Oh, écoutez, on serait monstrueux, non? Oui, mais un comédien arrivé à ce plan-là est parfois monstrueux. Non, d'abord, il ne faut pas oublier une chose. C'est quand on est partis ensemble, quand on s'est enfui ensemble, mon temps était la plus grosse vedette de music hall et nos travaux ne se rencontraient pas du tout. Enfin, moi, j'avais une admiration fantastique pour ce qu'il faisait, parce que c'est des choses que je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin d'admirer, alors... Vous l'admirez toujours ? Je l'admire quand il est devenu l'acteur fabuleux qu'il est, mais ça m'épate moins. Je veux dire, c'est un formidable acteur, mais je l'ai toujours admiré pour ce qu'il était, d'abord pour tout ce que je ne sais pas faire. Alors, il ne pouvait pas y avoir de... On ne pouvait pas se mettre des bâtons dans les roues, puisque je faisais des choses que je ne faisais pas, et lui, et moi, je faisais des choses qu'il ne faisait pas. Simone Signoret, je vous ai bien écouté, j'ai vu que vous acceptiez toutes ces années qui passent, j'ai vu à quel point vous aimiez la vie, et forcément, on sent que, de la même manière, vous aimez la mort. Alors, c'est la vie... Ça, je... C'est la vie ou la destruction dans une existence? Vous avez assumé votre vie, vous. Et vous avez rejeté tout ce qui aurait pu la détruire. C'est-à-dire? Il y a eu une construction de votre vie, vous avez été prudente. Mais non, vous... Alors, s'il y a eu une construction, j'en suis absolument pas consciente. Pas du tout consciente. Elle est venue toute c'est seule, pas pour, c'est pas pour... Non, mais je comprends, ouais. C'est que je n'ai absolument jamais eu l'impression de bâtir... Bon, on bâtit sa vie, oui, on bâtit sa vie en... Pas en choisissant les gens, parce qu'on ne choisit pas les gens... On est retenu par les gens, on voit plein de gens dans une vie. On voit plein de gens mal et quelques gens bien. Bon, j'ai préféré aller avec ceux qui étaient bien. En ça, j'ai construit quelque chose, peut-être. C'est pas au nom d'une morale ni d'une philosophie. C'est des rencontres qui ont fait que j'ai, dans les rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très bien. C'est un bel équilibre. Probablement, oui. Simone Signoret, on téléphone beaucoup, bien évidemment. Bon, il y a cette question, n'êtes-vous pas éprouvé moralement et physiquement par un rôle tel que celui que vous tenez dans Le Chat ? Oh, pas du tout. J'étais bien contente de faire Le Chat. Mais ça, je comprends très bien. C'est une femme qui pose la question. Une auditrice. Oui. Je comprends très bien que pour le public, il y ait une incompréhensibilité et qu'il y ait quelque chose de pas compréhensible dans le fait que pour la joie d'un beau rôle,
pour la joie d'un vrai personnage, tout l'amour propre d'une femme par rapport à la beauté qu'elle a pu avoir, se passe absolument au second plan. Enfin, vous, le chat, il fallait bien qu'elle boite et il fallait bien qu'elle soit comme elle est, ou sinon ça ne... À quoi cette histoire aurait-elle ressemblé si j'avais toujours la tête que j'avais dans Casque d'or ou dans des dents vertes? Je veux dire, j'aurais pas pu le jouer. Vous vous regardez parfois dans les, sur les photos pour faire des comparaisons? Ah non. Je veux absolument pas. Parce que vous avez pas... parlé de Casque d'or. Oui, parce que je pense Casque d'or. Parce moi, que, je vois là en ce moment Casque d'or. Parce que Casque d'or est un rôle où, grâce à Becker et grâce au chef opérateur et grâce à beaucoup de choses, j'ai été formidablement gâtée sur le plan de la photogénie et des costumes. Alors, comme c'est une image lumineuse de moi, je dis Casque d'or, je pourrais dire d'autres, mais... Ce serait quand même très mystérieux si j'avais toujours cette même tête. Et qu'est-ce que je pourrais jouer à mon âge avec cette même tête? À mon âge, vous n'êtes pas si vieille, non? Non, mais je veux dire, je réponds à la dame, là. Oui. Moi, me balader en boitant avec mon cabas et faire la poursuite avec Gabin dans les rues, c'est sublime pour moi. C'est merveilleux. C'est des aventures extraordinaires, c'est comme des voyages. Simone Signoret, quel âge est ton vieux? Qu'on parle tellement de vieillesse. Je sais pas, parce que moi je me sens pas adulte, alors vous comprenez, je peux pas vous répondre. J'ai l'air comme ça très sérieux et de tout casser. Mais il y a une part d'infantilisme chez moi qui d'ailleurs est celle de tous les acteurs, et puisqu'on continue à se déguiser. Vous connaissez beaucoup de métiers où les gens se déguisent tous les matins, et vous connaissez beaucoup de métiers où les gens ont des fous rires en scène qui vont du petit jeune homme de 18 ans jusqu'à la dame qui joue la grand-mère et qui en a 75. C'est des métiers d'enfant. À partir de quel âge peut-on jouer la comédie? On la joue trop jeune, paraît-il, en ce moment. À part des génies qui ont eu très tôt la vraie flamme intérieure, comme Gérard, par exemple, comme Gérard Philippe, qui certainement avait en lui très très tôt les ferments de tout ce qui doit brûler à l'intérieur... Je pense qu'on commence à bien la jouer un peu plus tard qu'à l'âge où généralement on commence. C'est pour les mêmes raisons, c'est parce que c'est la vie qui vous fait jouer. Si une fille a jamais eu une grande histoire d'amour qui tourne mal, ou une grande histoire d'amour qui tourne bien, ou des affres, des angoisses de mère parce que son gosse est malade, enfin tout ce que les femmes ont au fur et à mesure qu'elles avancent dans la vie, je crois qu'il est très difficile de réinventer ce qui vous est pas arrivé. Donc je pense qu'on joue de mieux en mieux, en mûrissant, pour ne pas employer ce mot qui n'a pas l'air de vous plaire. Non, il ne faut pas avoir peur des mots. Mais on joue de mieux en mieux parce qu'il vous est arrivé de plus en plus de choses. Ou alors on joue de plus en plus mal parce qu'on se copie. Vous jouez de mieux en mieux, vous, Simone Signoret? Eh bien, au risque d'être très, très, très vaniteuse, prétentieuse, je ne vais pas dire que je joue de mieux en mieux, je vais dire qu'il m'est de plus en plus facile... de faire des choses qui m'auraient demandé autrefois des efforts pour me mettre dans le coup. J'ai beaucoup plus de facilité à entrer dans les choses. Et aussi, c'est ce que j'étais en train de dire, il vient un moment dans la carrière où on va de plus en plus profondément dans les choses, ou alors on devient mauvais parce qu'on refait ce qu'on a déjà fait. Car c'est ça que les gens vous demandent, ils vous demandent de refaire... ce que vous avez déjà fait. Ça, vous le faites si bien, refaites-le moi donc encore une fois. Vous voyez, ça, c'est un rôle pour elle, elle l'a déjà fait, elle va nous faire ça très bien. Or, la vraie recherche, c'est de trouver chaque fois quelque chose de nouveau. Vous ne pourriez pas vous passer de jouer la comédie? Enfin, d'être actrice, d'être comédienne? Je crois que maintenant, si. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous dis ça comme ça, en toute sérénité, parce que je viens de travailler, et que je vais travailler, je ne absolument pas préjugé de ce que je vous dirais dans un an si on me faisait plus lire jamais rien. Vous aurez eu de la chance, Simone Signoret, parce que toute votre vie vous aurez fait ce qui vous amuse. Ah oui. Et de ce côté-là, c'est un métier merveilleux. Oui, mais ça, j'ai aussi la chance de m'en rendre compte et d'être terriblement reconnaissante tous les matins en me levant de me dire quel coup de peau de ne pas aller faire un travail qui vous embête. Et en ça, je pense au quand même 90% de la population qui s'enfourne dans des
buildings ou dans des... Je ne veux pas faire du populisme et de parler des usines, mais quand on part le matin en extérieur à 7h moins le quart, que je passe sur le quai du Point du Jour et que je vois ces gouffres, il fait noir, c'est l'hiver, qui sent... ces gens qui s'engouffrent là dans le bruit, je me dis... quelle chance, oui. On n'a pas parlé encore du MLF. Je sais que vous n'êtes pas une militante, je sais que vous n'êtes pas une féministe, mais tout de même, vous appréciez ce que ces dames ont fait. Ah, ça, je ne vais sûrement pas dire du mal d'elles, et en tout cas pas devant tant de gens, s'il y a des gens qui écoutent. Je me sépare d'elles sur beaucoup de points, parce que probablement je suis profondément méditerranéenne et peut-être d'instinct... soumise à l'homme que j'aime. Alors, leur racisme m'embête un peu, mais je trouve qu'elles font des choses tout à fait exemplaires sur le plan de deux actions, en tout cas, qui est le problème de l'avortement, avec lesquelles je suis avec elles complètement sur ce plan-là, et sur le plan des salaires. D'autre part, je ne peux pas parler Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Je sens que je vais bafouiller, pourtant c'est très clair dans ma tête. Bon, j'appartiens à une classe de la société dont on ne peut pas dire qu'elle est victime des hommes. Je sais qu'il y a des métiers dans lesquels les femmes sont victimes des hommes. Mais c'est une chose que je sais, parce que je le lis, parce qu'on me le raconte. Mais mon instinct ne me l'a jamais fait savoir. Vous ne l'avez jamais savoir. Vécu. Je ne l'ai jamais vécu. Les actrices, ce ne sont pas des femmes qui sont maltraitées par les hommes ou qui sont traitées d'une façon différente. Elles sont même plutôt mieux traitées. Les actrices ont toujours des gens qui sont tout petits soins pour elles. On coiffe les actrices, on leur donne des fleurs aux actrices, on leur fait des compliments aux actrices. Et la légende qui veut que les actrices soient des objets sexuels et qu'elles ne réussissent qu'en passant par le lit du producteur, c'est des vieilles histoires qui... ça fait partie de ces mythes. Ça fait partie de ces mythes qui n'existent pas. Il y a sûrement des petites nanas qui... Comme partout. Ça. Oui, comme partout. Je suis sûr qu'il y a des contre-maîtres aussi qui font avancer des filles dans les usines si les filles se laissent faire. Regardez Lady Macbeth. Mais... ah, attendez, ça, j'ai mes petites idées sur elle. Non, ça, je crois... C'est pas ça, hein, Lady Macbeth. Enfin, je crois que c'est... Non, on va pas revenir. Parce que je n'ai pas bien joué, mais j'ai très bien compris hein, la pièce. J'ai beaucoup plus travaillé que n'importe quel acteur anglais, parce que, comme moi, c'est pas partie de mon patrimoine, il fallait que je bûche beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, je bifurque, là. Non, c'est vous qui m'avez fait bifurquer. On parlait du MLF, ouais. Non, on parlait du MLF. Donc, moi, je ne suis pas militante, je ne suis militante de rien, d'ailleurs. Comme ça, c'est réglé. Je ne milite en rien. Je fais des choses de temps en temps. Vous n'appartenez à aucun parti. Je n'appartiens à aucun parti, je milite en rien. Mais quand des gens font des choses qui me paraissent à moi intéressantes et courageuses, je vais avec eux. Voilà. Simone Signoret, y a-t-il quelques difficultés à se tenir à une certaine hauteur lorsqu'on est comme Signoret et Montand, un couple au sommet? C'est très difficile. Vous savez, cette histoire de couple au sommet, c'est encore des mots, ça. Disons, bon, il n'y a pas de sommet, disons qu'on est des gens qui avons fait, nos métiers, Montand dirait artisanat, moi je dirais mon métier parce que je ne suis pas une artisane, puisque je ne peux rien faire toute seule, il me faut les autres, du mieux qu'on a pu, sans concession, et qu'on s'est maintenu pendant 30 ans, et l'un et l'autre. Je ne sais pas si on appelle ça le sommet. Enfin, le sommet, il n'y a jamais de sommet. Si sur un plan international, vous êtes installé, et je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas tellement. Mais vous, Simone Signoret, vous pouviez prévoir que Montand, qui a toujours été un grand chanteur, un homme du musical, sûrement l'un des plus complets, vous pouviez prévoir qu'il deviendrait un grand acteur. J'ai l'impression que vous n'y avez jamais cru. Oh, si j'y ai cru, si, dès qu'il a commencé à devenir très... Oui, la première fois. Bah, au début, il le dit lui-même, il ne savait pas du tout. Je ne vais pas le refaire son interview. Au début, il ne savait pas parce qu'il avait l'habitude d'une telle autre discipline qui était de projeter pour le troisième balcon des choses. En tout cas, je parle du cinéma, là. Mais dès que Montand il s'est mis à jouer, bah, il a bien joué. Au début, il a eu, c'était pas très facile. Puis au début, il n'aimait pas. Il s'est mis à aimer ça. Il s'est mis à aimer ça progressivement. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez été agacé par toutes les femmes qui se pressaient, et qui se pressent encore d'ailleurs autour de Montand? Non, j'ai toujours trouvé ça extrêmement flatteur.
parce que vivre avec un monsieur qu'une dame ne regarde jamais, j'aurais trouvé ça un petit peu inquiétant, voyez-vous. Vous avez toujours été fidèle, Simone Signoret. Fidélité aux amis. Non, moi, justement, vous avez l'esprit très mal tourné, je ne pensais pas à ça. Non, c'est la fidélité aux amis qui compte, la fidélité à la vie, la fidélité à ses idées, à ses convictions. Et la ligne qu'on a pu tracer un jour. Oui, je crois, vous savez, il y a, oui, à mes amis sûrement, à mes convictions profondes, oui. Oui, je peux dire oui. Avec des déceptions quelquefois, mais qui n'atteignirent rien de mes convictions profondes. J'ai pu croire à des choses qui n'étaient pas telles qu'on me les avait présentées. Mais ma conviction, quand je croyais à ces choses, était totale et elle est disponible encore. Peut-être que ce n'est pas très prudent, mais elle est encore disponible à beaucoup de choses. Donc c'est une fidélité à une certaine forme de conviction. Pas de complexe face aux jeunes? Non, parce que je n'ai pas du tout essayé d'attraper leur train. C'est-à-dire que... Vous les accompagnez? Je n'ai pas été paniquée par leur... Il faut dire que j'ai été aidée en cela par le fait que je n'étais pas à Paris en 68. Probablement été obligée, d'abord par enthousiasme et peut-être un peu forcée, à me mêler à des tas de choses. J'aurais sûrement fait des erreurs, j'aurais sûrement eu des déceptions et j'aurais sûrement fait des bêtises. Alors le fait que je n'ai pas été là, que j'ai suivi ça comme je pouvais, de loin, m'a donné une beaucoup plus grande de compréhension, et surtout avec le recul et de la distance et du temps. Alors je n'ai pas du tout essayé, justement, je disais bien, de monter dans le train. Ce qui fait que je n'ai pas de complexe par rapport à eux. J'ai pas été la vieille qui veut absolument les suivre et dire les petits, je suis avec vous. Vous ne le saurez jamais, vous. Ce qui risquait de m'arriver. Je vous rassure tout de suite. Et finalement, j'ai avec eux des rapports excellents parce que, enfin, surtout avec eux, quand je dis eux, je parle de ce qui est resté de meilleur de cette période. Et il y en a. Et il y a des jeunes qui sont terriblement constructifs, dans ce qui n'est pas tombé dans le déchet de ceux qui ont ou tout oublié, ou tout abandonné, ou qui ont mal tourné, tout simplement, ou qui sont tranquillement rentrés chez papa-maman, et qui... Il y en a qui restent, et c'est les meilleurs. Merci, Simone Signoret. Et elle aussi restera pour nous la meilleure. C'était Radioscopie de Jacques Chancel qui recevait Simone Signoret le 19 novembre 1971. L'émission a été retravaillée par Stéphane Combe avec la collaboration d'Anne Delaveau de l'INA. Demain, nous rediffuserons la radioscopie consacrée à Pierre Mendès France. Et à suivre sur France Inter, une sélection de rediffusions consacrée à la nature et à la musique avec Mishka Assayas jusqu'à 1h du matin. Bonne nuit sur France Inter, il est minuit.